Bonjour, vous avez des questions en droit du travail? Je vous réponds en moins de 2 minutes. Lors de l'entretien préalable de licenciement, l'employeur doit dans un premier temps exposer les motifs du licenciement et ensuite donner la parole au salarié pour qu'il réponde. À partir de là, la question stratégique est de savoir si vous vous expliquez sur les griefs ou si vous restez taisant. Si vous vous expliquez sur les griefs, vous allez aider l'employeur à parfaire sa lettre de licenciement. Si vous avez des bonnes explications sur la faute A ou B, à ce moment-là, l'employeur les abandonnera dans la lettre de licenciement et retiendra plutôt les fautes C et D. Donc, en réalité, il vaut mieux se contenter de contester les griefs sans s'expliquer davantage. De toute façon, statistiquement, lorsqu'un employeur convoque un salarié à un entretien de licenciement, il le licencie par la suite. Vous avez encore des questions sur la procédure au prud'homme? Je vous conseille mon ouvrage, Le procès au conseil de prud'homme. Vous le trouverez sur les sites La Fnac et Amazon. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question. Thank you.